Ouais, salut les amis, je vous fais une petite vidéo sur un C3 Picasso pour vous expliquer comment changer le répétiteur d'aile, donc de clignotant. Voilà, vous avez eu, ça se met comme ça. Alors, il faut normalement pousser, alors en prenant ici, donc pousser du côté, donc à l'arrière, hein, pour pouvoir sortir le bloc. Mais par contre, pour changer la lampe, vous êtes obligé de... parce que tout est fait d'un bloc. Normalement, vous êtes censé racheter un répétiteur complet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que en poussant, ça s'est carrément enlevé, ça, le petit plastique là au-dessus, mais ça se remet plus. Hein. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai pris de la super glue et j'ai changé ma lampe et j'ai mis de la super glue tout autour pour pouvoir réutiliser le même bloc, tout simplement. Sinon, bah, vous serez obligé de changer complètement le bloc. Bon, vous trouvez ça dans les coûts de 8 € à peu près, hein. Tout dépendra de là où vous l'achetez, mais bon, en général, c'est dans ces prix-là. Mais sinon, si vous ne voulez pas vous emmerder et que la partie elle s'enlève comme moi, ou alors vous arrivez à l'enlever avec un tournevis délicatement sans tout casser, bien sûr, bah vous recollez, hein, tout simplement. Vous ne vous embêtez pas d'acheter complètement le bloc. Hein. Donc c'est pour vraiment vous préciser, c'est pour ça que je fais cette vidéo, que c'est vendu le bloc complet. Donc c'est indissociable, tout est collé. Et donc si la lampe elle grille, bah, vous êtes obligé de changer le bloc complet. Voilà, sauf si vous faites comme moi, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai changé également, vous avez vu ma petite ampoule ici de rétroviseur. J'ai mis ça en bleu. Je vais ouvrir la porte, vous allez voir le rendu. Ma foi qui est, je trouve super, hein, on voit vraiment bien, vous voyez, hein, ça va être super bien. Voilà. Voilà les amis, bah, likez, partagez, à bientôt, ciao.